Bien le bonjour à tous et bienvenue pour ce 24e épisode de Nier Automata. J'espère que vous allez bien, moi ça va parfaitement bien. Nous avons du coup la dernière fois battu une nouvelle fois Adam, plutôt une nouvelle fois. Enfin, on l'avait déjà battu, mais je veux dire, il était revenu parce que c'est. Vous savez, on a recommencé. Voilà. Et donc maintenant, on va devoir retourner dans le parc d'attractions, du coup, en allant retourner voir Anémone. Ah, vous voilà! Psycho m'a fait part de votre aventure dans le désert. Beau travail! On n'a pas grand-chose à vous offrir, mais pour vous remercier, je vais préparer une pièce à votre attention. Vraiment? Effectivement, bon, c'est la même pièce du coup. C'est la moindre des choses, vous pouvez en user à votre guise. Très bien, merci. Au passage. Ah, attends, je sens qu'il va nous couper avec un dialogue, non? Non, même pas, non. Elle est énorme! Tu es sûr qu'on peut se permettre une chambre de cette taille? Bah, l'autorisation, si tu te souviens bien, et en plus on risque d'être posté là pendant un bon moment. Alors autant avoir un lit. Ce serait bête de ne pas en profiter. Ok. Alors, juste avant, il me semble hein, qu'on a un petit coffre sympatoche qu'on avait oublié ici. Il n'y avait pas un coffre qu'on pouvait ouvrir qu'avec 9S ici? Si, si, j'en suis sûr. Arrêtez de me faire croire derrière. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. J'ai juste oublié, c'est vrai, j'avais oublié. Il y a plein de coffres, hein, du coup, qu'on vous avez vu, hein, qu'on a vu sur l'aventure numéro 1. Point type 4-0. C'est intéressant ça. C'est que quand il est en saut, il peut pas faire pause. Des points, d'accord. Gantelet de combat. Dernier modèle, il y aura. D'accord. Ok. Non, je garde mon épée. Je suis un homme à épée. Garde notre épée. Allez, on va. Je suppose sauvegarder. Oui. Faire une pause. Et puis voilà. Non, non, c'est bon, pas besoin de sauvegarder. Oui, je veux continuer à jouer. Voilà, je veux juste aller faire la quête principale. Du coup, je crois qu'il faut que je me casse d'ici. Enfin, je crois que j'ai pas besoin de me restaurer, en fait. Je pouvais juste me casser directement. Opérateur Yuri 9S. Oui, Kochira 9S. Shirei-kan kara 2B 9S 両名 への message があります. 再生します。地上に向かっているヨルハ部隊の数機が連絡を絶った。現在もブラックボックス信号が確認されていることから死亡はしていないと推定される。信号の発信されているポイントを絞り込んだので地上に滞在中のヨルハ部隊員には本件の調査を命ずる。以上で通信を終了します。そういえばレジスタンスキャンプでも同じような話を聞いた。地上からのルートは封鎖されているみたいですね。Putain, j'étais tellement rapide que là. Vous avez vu, il y avait une plaque qui était devant qui a caché, qui a dépop d'un coup. Ah, bah c'est ça aussi la rapidité d'un homme. Alors, bon, tu peux descendre s'il te plaît. Donc là. On va donc retrouver la même phase. Vous allez. Merci. 創造主たる人間の姿を模して作られてるけど、機械生命体はどうして僕らの姿を真似するんでしょうか。考えてもわからないことに時間を割くのは無駄。そうですね。Bon, c'est du coup l'interrogation que se pose 9S. On l'avait déjà eu la réponse plus ou moins, puisqu'elle voulait donc ressembler aux humains pour ressentir ce que c'était que d'être un humain. Pourquoi? C'est vrai que pourquoi est-ce qu'il voulait ressentir ce que c'était qu'un humain? Pas vraiment d'explication, mais bon. Kochira Zeiko Shien Unit, Pont 042, Sousa Shuken wa 2B ni set sarete iru. Kochira Zeiko Shien Unit, Pont 153, Sousa Shuken wa 9S ni set sarete iru. Yosei, Sentou Data no koukan. 承認。提案。効率化のために諸データの交換を随時行うこと。承認。効率化のために諸データの交換を随時行う。以上。
Voilà, bon, on a une petite scénette qui était qui a apporté pas grand-chose, certes, mais c'est toujours sympa. Enfin, si on sait que maintenant il y a eu des échanges réguliers de données entre les pods, ce qui n'est pas pour nous déplaire du coup. Je me rends compte que je suis vachement bas sur mon putain de fauteuil. Non, c'est... est-ce qu'à tout hasard il n'y avait pas un coffre que j'aurais oublié ici? Non. Il y a ça, mais ça on s'en fout, limite. Ok, bah du coup, on est de retour dans cette magnifique zone. Et là pour le coup, alors je pense, je sais pas si on aura le temps de... Ah, oula, une scénette encore. Ah très bien, j'ai carrément interrompu le mec. Mais quand même, faut que j'arrête de pirater. Ah c'est bon. Donc je disais, ouais, faut que j'arrête de pirater pendant qu'ils sont en train de parler, parce que du coup ça gâche tout. Donc ouais, du coup, petite scénette nouvelle. Toujours un peu énigmatique, hein, on comprend pas très très bien ce que c'est. Mais voilà. Alors j'espère qu'on va pouvoir voir le combat contre la reine aujourd'hui. Honnêtement, c'est largement faisable étant donné qu'on va quand même assez vite. Ça me semble même tout à fait envisageable. Hop. Pour le coup, vous allez voir que ce combat, je peux vous le dire, va déjà pas mal changer sur des points. Vous allez voir. Et c'est là qu'on va vraiment comprendre en fait la différence qu'il y a entre les deux trames avec justement cette phase. C'est pour ça que pour l'instant, on n'a pas eu deux grosses différences. On a eu effectivement bah, quelques dialogues un peu changés, on a eu. Calme-toi s'il te plaît. On a eu bah, voilà, les petites scénettes qu'on a un petit peu. Hein, les livres d'images là qu'on a à voir là. Mais sinon globalement on n'a pas eu grand chose de plus. Aïe. Aïe. Hop là. J'adore la musique 8 bits à chaque fois qu'il y a. Quand on pirate. Hop. Bon, moi, je sais pas à user du piratage un maximum parce que c'est vraiment ce qui est plus pratique. Aïe! Bon, j'ai pas vraiment besoin de les détruire, mais je veux quand même. L'idée, c'est quand même comment dire, que j'augmente un peu en XP et de pas rusher comme un porc. Hein. L'idée, c'est quand même de rester plus ou moins dans la course, on va dire, en termes de niveau. Donc, c'est pour ça que je fais quand même attention à pas trop non plus. Être en retard au niveau des levels de manière tout à fait logique. Hein. C'est vrai que moi j'ai toujours eu un problème sur les RPG de manière globale. Là sur celui-là j'ai jamais eu ce problème là, mais pour le coup, sur la plupart des RPG que j'ai fait, j'ai toujours eu besoin de faire des énormes phases de pexing qui pouvaient durer plusieurs heures juste pour avoir quelques niveaux en plus pour pouvoir justement être plutôt à l'aise dans les niveaux parce que moi j'ai toujours eu du mal à sur les RPG justement à être au level suffisant. Attendez. C'est quoi ce nom? D'accord, non, c'est dans le jeu. J'ai toujours eu mal à être au niveau suffisant pour pouvoir avancer. Donc, là, sur celui-là, il n'y a pas trop eu ce problème. Alors, on reçoit beaucoup de messages que je lis pas du tout. Faudrait que j'aille les lire d'ailleurs, en passage. Pendant que j'y pense. Hop. Attends. On va les pirater. Là. Ah, je sais pas pourquoi eux je peux juste les faire exploser, je peux pas les pirater. Je peux pas genre les. Vous savez, j'en avais vu dans l'épisode d'avant qu'on pouvait techniquement les dominer, enfin les contrôler pour qu'ils fassent un peu ce qu'on voulait. Bon, on leur a déjà parlé de tout ça, donc on va directement avancer. On a la fameuse fleur avec notre ami Émile. Et bah, il l'amène ici. Résistance no hanno wa ano tatemono no hōkō kara hasshin sarete imasu.
C'est vrai que j'avais oublié qu'il avait envoyé le château depuis ici. Je sais plus s'il faut, que je les débloque les points ou pas. Bon, j'ai fait une sauvegarde rapide, ce sera mieux que rien. Alors pardon, j'ai oublié, je vais regarder les messages. 9S. Alors, vérification de routine, ceci est un message pour programmer, attention, ok, ça on s'en fout. Nouveau produit, passez nos rendez-vous d'occasion, ok. Dans le cas contraire, veuillez vous abstenir. Équipement, j'ai oublié de vous dire quelque chose avant votre sortie. À en croire notre kit d'analyse, l'équipement abandonné lors de l'infiltration de l'usine désaffectée se trouve encore à la place. J'ai indiqué sur la carte l'endroit où il devrait se trouver. Ah oui, bah c'est le fameux équipement. Mais bon, on l'a déjà normalement cet équipement-là, donc pas besoin d'aller le choper normalement. Ça, c'est le fameux message du Conseil de l'Humanité, donc on s'en fout. Okay. Je voulais quand même checker au cas où il y avait un message intéressant, mais. En vrai, je me dis, est-ce que vous pensez qu'il y aura quand même un équipement. Ah, on aura peut-être l'équipement de 9S en vrai, je me dis, dans l'usine effective. Faudra qu'on aille voir peut-être un moment. Mais bon, pour l'instant, déjà, faisons ça. Ouais, c'est vrai que vu comment on va vite, à mon avis, on a largement le temps de faire le combat contre la. La reine des machines aujourd'hui. Alors, j'ai encore une fois interrompu, mais on va donc le réattaquer. Aïe. Non, c'est pas évident. On va se le refaire un petit coup là, le char du parc. Hop. Bon, bah, c'est le même combat, il n'y a pas trop de changement là-dessus. On va continuer à le pirater, hein, c'est le plus efficace. Hop là, hop là, hop là. Oh putain de merde. Oh putain. Attendez. Voilà, ok. Bon, ça on commence à bien maîtriser les phases de piratage. On le fait quand même très très mal. Hop là. Attention, je vais pas faire n'importe quoi. Ce serait bien si on pouvait genre détruire juste les. Wow. C'est toujours un peu du pif hein, quand même. Hein. Alors, attends, hop. Ah salaud. Putain, j'ai plus qu'un seul essai. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, c'est bon. Du coup, normalement, il manquera plus qu'un coup. C'est vrai que ça peut sembler un peu pété, mais en fait techniquement, vu qu'on a déjà fait les ennemis, c'est pas très grave. Ah, on a quasiment pas de place. Ok, c'est bon. C'est bon. Et normalement, il est finito. Bam. C'est vrai qu'on avait vu que c'était effectivement des. Ça doit être ces fameux noyaux hein, qui permettent à ces machines-là de... d'avoir une sorte de ressemblance aux humains. Peut-être qu'ils aient des cellules végétales. Ticket de loterie sale, d'accord. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais ok. J'arrive à pas me souvenir des emplacements des coffres, mais j'avoue que je. C'est vraiment de très lointain. Quoi. Ok. Du coup, on est reparti sur la. Les montagnes russes. Vous avez déjà fait des montagnes russes ou pas? Je sais plus si j'en avais parlé de ça ou pas, mais c'est vrai que c'est, j'en ai jamais fait de montagnes russes. Ça me stressait trop. D'accord, je viens de découvrir que quand on est en mode 2D, on peut également diriger le pod. Quel enfer. Euh,
Ou alors j'avais déjà vu qu'on pouvait faire ça, mais je sais plus, mais je sais pas, j'ai l'impression que j'avais jamais fait avec, avec le pod. Tu vois, vraiment, je pense, ça me semble logique. Pa 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 la pa la pa la. Putain, on va vraiment à une vitesse, c'est fou, hein. Mais bon, heureusement d'ailleurs, je pense que sinon ça ferait un peu chier. Allez, c'est parti. の機械生命体記録にありません。Donc, vous allez voir que ce combat est très particulier. Je vous en dis pas plus. Mais donc c'est la fameuse Simone, hein, la reine des machines entre guillemets. Tu vois, c'est toujours aussi épique ce combat. Là oui, pour l'instant on peut pas la pirater. Entre autres parce que c'est un boss et que ce serait complètement pété. Mais bon, on va voir qu'évidemment. Faut pas qu'on oublie les patterns, évidemment. Il faut continuer à la prendre au corps à corps. Aïe. Hop. On lui fait mal. Est-ce qu'il peut prendre... J'ai cru qu'elle pouvait se prendre ses propres... Ah ! Salope. Ok. Tiens, ta gueule. Et... Ok. Pas d'embrouille là-dessus. On lui fait mal tranquillement, hein. y a pas de soucis. Hop là. Et elle rentre dans cette tanière. Donc deuxième phase, c'est parti. ダメージを受けると機体に不具合が生じるから気をつけて。トゥビの死体を再利用して攻撃してきてる。いや、これはブラックボックス信号が確認されています。生きたまま兵器に改造されてるんです。すぐに終わらせる。Donc vous l'avez vu, on a eu une cutscene qui était bah pour le coup très spécifique puisque bah vous avez compris, c'est que du coup avec 9S on va pouvoir, bon, je suppose c'est parce qu'il a le pouvoir de piratage. Ouais, effectivement, comme j'ai dit, il a le pouvoir de pirater. Du coup, il va pouvoir récupérer des infos vraiment plus spécifiques sur les monstres qu'il va attaquer. Et c'est là que je me rends compte que j'ai plus du tout. Alors, pas toi, putain de merde. Pas toi. Pas toi. Allez. Ok, pirate là. Donc là, ouais, effectivement, comme je dis, on va pouvoir, en fait, grâce à 9S, récupérer des informations supplémentaires.
Donc là, bon, on commentera la cutscene après, hein, évidemment. Mais je pense que déjà, vous avez compris un petit peu d'où venait un peu ce boss, quelque part. Donc voilà. Donc on commentera plus tard. Alors c'est pas du tout ça que je voulais faire évidemment, c'est toi que je voulais viser en fait. Enfin, je veux la repirater. On va essayer de choper le plus d'infos possible sur elle. Aïe, putain c'est violent. Et je pense quoi de ces bonheurs. On a chopé ce qu'il fallait choper. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il nous fait là. On va la rechoper. On va te goumer. Ah. Oh putain. Allez. Voilà. C'est bon. Ponto.
助けてくれてありがとう。あ、ハッキングのことですか。僕たちスキャナーモデルにとってハッキングは得意分野です。いつでも援護しますよ。アンドロイドたちを助けないと。ダメです、回路が全部焼き切れてます。敵のシステムによってかろうじて生き延びていただけみたいですね。そう、bon bon 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 bon。 Alors bah, j'espère que ça vous aura plu, parce que là on rentre dans le vif du sujet. Là on comprend en fait que 9S, du coup, il va avoir accès à des infos en plus grâce au piratage, comme je l'ai dit. Et là on comprend d'où vient cette créature. Donc c'est un robot qui voulait devenir belle pour devenir pour que une machine tombe amoureux d'elle. Et pour ça, bah, elle a utiliser ses camarades, les pieds détachés de ses camarades pour se créer une sorte d'armure, avec des bijoux, une belle robe, etc. Elle a appris à chanter, qui est du coup la chanson en fait qu'on entend au tout début quand elle crie, c'est ça, c'est le fameux chant en gros en quelque sorte, parce que moi c'est ce que j'ai compris, hein, qu'elle a appris pour son amoureux entre guillemets. Et c'est très intéressant tout ce qu'elle raconte sur justement le culte de la beauté, le fait que on est prêt à tout pour que l'autre nous regarde, prêt à devenir faire tout ce qu'il faut pour devenir beau, belle, et que finalement c'est pas ça qui compte, c'est pas la beauté extérieure quelque part qui compte, mais c'est autre chose, quoi, je ne sais pas, la beauté intérieure peut-être. Donc c'est très intéressant de voir cette machine qui finalement a eu un comportement qui est tout à fait humain. C'est ce genre de problématique qu'on peut voir, hein, qui existe réellement avec des êtres humains, et c'est vraiment très intéressant, quoi. Donc c'est là tout l'intérêt avec 9S, c'est qu'il va voir, il va vraiment avoir accès à ce genre d'informations très spécifiques, qui du coup va rendre le truc un peu plus glauque aussi. C'est tout l'intérêt de ce personnage également. Donc, voilà. Et ce qui va justement être intéressant, vous voyez, c'est que 9S, jusque-là, on l'avait vu au tout début, quand il avait vu les frères, enfin l'espèce de machine qui voulait sauver son frère, entre guillemets, il était en mode, bah, non mais c'est pas, je veux dire, c'est pas ton frère, c'est des machines en fait. Là, lui, vu que maintenant, il a accès à ce genre de choses, ouais, lui, il le sait, il le voit que ces machines-là ont des émotions. Donc il comprend pas encore pour l'instant. Il se dit, mais d'accord, ok, cette machine-là, elle voulait devenir belle. Ouais, j'avoue que je sais pas exactement si 9S, si ce qu'on voit là, et 9S le voit aussi, ou est-ce qu'il y a que nous qui le voyons. Ça, j'avoue que j'ai toujours un peu du mal à comprendre. Donc vous voyez qu'effectivement, il y a toute cette dimension de, bah, 9S, lui, va avoir... lui va être confronté directement à ça. Ah, regarde, moi je vois que ces machines-là ressentent des choses, mais je ne comprends pas, parce que ma condition d'Android m'a expliqué que ça ne pouvait pas être possible. Donc voilà, toute la force de ce jeu, quelque part, elle repose aussi là-dessus, c'est que bah, justement, la trame B va compléter vraiment la trame A, nous apporter des informations très intéressantes justement sur cette machine, où quand on l'a rencontrée, elle a juste dit « je veux être belle, je veux être belle », et nous on s'est dit « bah bon, c'est juste une machine qui débloque, quoi ». En fait non, c'est vraiment une machine qui a toute une histoire. Déjà, on le voyait, hein, tout de son cou, il y avait l'espèce de la tête de du robot qui le constituait au départ. Qui a constitué au départ, donc c'est vraiment fascinant, quoi, ce qu'a fait ce jeu à ce niveau-là. Hein? Bon bah du coup on va vouloir se diriger directement vers le village de Pascal, évidemment. Je vais juste checker un truc, est-ce que à tout hasard, moi j'ai encore plein de fric, hein. Faudra vraiment que je donne mon fric à l'inventeur là, c'est pour ça que je l'utilise pas du tout, ça me sert un peu à rien pour l'instant. Donc enfin voilà. Alors j'ai laissé volontairement le texte défiler sans le lire moi-même, parce que je voulais vous mettre dans l'ambiance, j'ai hésité, puis je me suis dit bon, c'était un peu long certes, mais je trouve ça plus intéressant que vous soyez dans l'ambiance et que vous lisiez en même temps.
C'est ce réflexe de youtubeur où t'as envie de lire tout ce qui s'est, tout ce qui est à l'écran, mais bon. あれは。ああ。トゥビーは見たことなかったんですね。あれは地上からバンカーや月面の人類基地に向けて資材を打ち上げているんです。宇宙空間では資材も燃料もありませんから。なるほど。 Alors pour le coup, je suis en train de me rendre compte qu'avec 9S, enfin sur la zone de la du parc d'attraction, on n'a pas rencontré de machine dorée. Contrairement au désert et à la cité en ruine. Peut-être que ça réapparaîtra après, je sais pas. その原因についてはいろんな議論がされているんですけど、結論は出てないんですよね。宇宙人の考えることはよくわからないです。 なあ、兄ちゃん。なんで下着なんて面倒なものを履く必要があるんだ？記録によると、人間は股間を隠して生きていたそうだ。股間を露出するのは問題のある行為とされていたらしい。黙って履いてろ、イブ。分かったよ。でも、なんでこの植物を食わなくちゃいけないんだ？俺たち機械生命体は。 こんなの食わなくても動けるよ。これは果実の一種だ。何でも人はこれを食べることで知性を得ることができたらしい。ガタガタ言わずに黙って食べろ。分かったよ。兄ちゃんが言うのなら食べるよ。でもこれが終わったら一緒に遊んでくれる？ああ。じゃあ頑張って食べるよ。 Donc voilà, nouvelle cutscene intéressante où là bah, on voit directement bah, les prémices de ce qui va se passer plus tard, c'est-à-dire avec Adam qui va être obnubilé par l'idée de devenir un être humain. Donc voilà, vous voyez que là il se documente sur le sujet, il veut, il porte des caleçons, il veut bouffer des fruits, il sait que ça sert à rien parce qu'ils n'en ont pas besoin, mais il commence déjà à se documenter sur le sujet. Là on voit qu'il lisait un bouquin et donc on voit déjà un peu les prémices de ce qui est censé se passer plus tard. Tandis que Eve, lui, il est plus en mode what the fuck quoi. 戦う意志がないってことでしょうか。まず最初に聞いていただきたいことがあります。私たちはあなたの敵ではありません。トゥビ、機械生命体の言うことなんて信じちゃダメです。確かにあなたたち Alors, juste faire une sauvegarde rapide au cas où il y a un bug et que ça plante. Parce que je connais le jeu maintenant. En vrai, on leur a déjà parlé, donc on peut directement parler à Pascal, je suppose. Vous savez, nous entretenons déjà un semblant de relation avec les androïdes. En l'occurrence, j'espérais que vous pourriez remettre ceci à Anémone au camp de la résistance. Qu'est-ce que c'est? C'est un filtre à carburant qu'elle nous a demandé. J'espère l'assurer ainsi que nos intentions sont pleinement pacifiques. Ça marche. Voilà, on va pouvoir redonner le truc. Donc là, vous voyez du coup qu'au niveau des quêtes, l'avantage c'est qu'on a quasiment plus de quêtes à faire. Sauf, du coup, tiens, c'est quoi ça? Ah oui! Alors ça c'est une quête qui est spécifique à 9S, donc on ira la faire tout à l'heure, la prochaine fois. Donc il faudra que j'y pense. La quête de l'inventeur, faut pas qu'on la refasse par contre. Attends, je vais juste checker un truc vite fait. Donc là où ça sert à rien d'aller reparler avec les gens et tout, on s'en fout royalement. Je suis assez étonné par contre.
qu'on n'ait pas la quête de l'inventeur parce que on l'avait pas terminé celle-là. Opérateur 210 より 9S 定期連絡を行います。本日は 9S に重要事項の連絡があります。何でしょう？整備部から 9S の飛行ユニットの扱いについて苦情が入りました。勝手に改造するのはやめてほしいとのことです。あ、いや、だって衛星からの情報に余計なデータがあって射撃補正が遅れるから仕方なく。反論があるなら自分で整備部に行って話すなり殴るなりして解決してください。以上。オペレーターさんって意外と乱暴なのかな。Bon, vous voyez, c'est pas le grand amour entre 9S et 21-0, enfin 21-0. Elle est vraiment. Elle le déteste en fait, donc c'est très clair. Donc, effectivement, elle était bien à la faillite, ce que j'allais voir. Aux insistements, ses élèves achèrent à 1000 guilds. Alors, évidemment, guilds, c'est pas putain, guilds, c'est dans Final Fantasy. 1000 gold. Seriez-vous par hasard en mesure d'investir dans... Donc, vous voyez qu'il a. Bon, d'un point de vue cohérence, le fait qu'il ait toujours le même nombre de guilds, de gold, c'est pas très clair. Après, oui, bah, je vais investir 20 000. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, rien, non, non, je vais rien dire. Alors, plus repoussement, minerai d'argent, soins moyens, météorite 1, plus résurrection 1, résistance 2, accélération 2. Voilà, en gros, il faut encore. Alors, ouais, l'idée, c'est que justement, il veut. Voilà, en gros, c'est par palier. Hein, plus on donne de trucs et plus on a des trucs. Donc, je vais leur donner 20 000. Voilà, collaboration fructueuse. Je me demande s'il faut pas lui donner genre 100 000 à ce mec-là. Eureka, j'ai réussi. Puisse vos yeux et vos sens se gorger dans l'invention. Sachez supérieur. Ok, oui, je vais encore investir. Je vais encore investir 20 000. Je m'en fous de donner toute ma thune, hein, y a pas de soucis. Deux jours plus tard, j'ai réussi plus vos yeux. Plaque tordue, écrou abîmé, il en faut encore. Oui. Hop. Je me dis comme ça au moins ce sera fait, ça fera une quête de plus. Pam 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 pam. Attaque à charge 3, éclat météorique. Voilà, à nouveau à bord de la faillite. Acceptez-vous de démarrer vos cordons de bourse. Ah 100 000 gold. D'accord. Donc là, il faut que je trouve 100 000 balles à ce bâtard. Ok. Alors, je n'ai que 47 000, mais... Attendez, on va faire un truc. Je veux faire ça maintenant. Je veux m'en débarrasser maintenant. En vrai, il y a plein de trucs qu'on va pouvoir aller vendre. Je m'en rends compte. Faut juste que je redémarre la caméra, si vous me le permettez. Hop. Je vais juste redémarrer. Attention les yeux. Hop là. Je vais faire ça maintenant, comme ça c'est fait, on est débarrassé entre guillemets. Je sais plus du tout ce qu'il donne comme récompense, mais je pense que c'est assez vénère. Merci d'être venu, on n'a pas d'armes. Ouais, alors je veux... Alors non, je veux pas... Ah si, est-ce qu'on peut améliorer ici ouais, non, on pourra l'améliorer, ça on s'en fout. Donc, on va vendre des choses, on va vendre plein de choses. On peut vendre notamment des minerais d'or, des minerais d'argent, qui peuvent globalement se vendre assez cher. Donc on va en vendre 15. Voilà. Et là on va en vendre 5. Voilà. Et ça on s'en fout. Voilà. Plaque tordue. On va se faire assez. Hop. Voilà. 100 000 balles. Les forgerons de la forêt, t'inquiète pas. On le connaît déjà. Effectivement, j'ai oublié qu'en fait on pouvait vendre plein de choses, mais comme j'achète quasiment rien maintenant, je m'en fous un peu quoi. Donc voilà. On va pouvoir donner nos 100 000 boules à notre ami inventeur. Je sais pas du tout ce qui est donné comme récompense. Je crois que c'est assez vénère quand même, donc mais bon. Donc ça nous fera une quête en plus. Donc je pense que du coup la prochaine fois on ira donner. Ouais, t'inquiète, hein, c'est bon. On ira faire la quête qu'il y a dans le parc d'attraction. Qui est sympa d'ailleurs dans mes souvenirs. Donc voilà. Ça, j'ai terminé la plus incroyable invention de notre génération, comme de toutes celles qui l'ont précédée. Ou presque, car j'ai échoué hélas. Cette fusée devait être capable de gagner la Lune. Oui, ça, je me souvenais pas de ça. Donc lui, il a construit une fusée. Voilà, avec 100 000 balles. Bon, je vous le dis, avec 100 000 balles, vous construirez pas une fusée, mais voilà. Mais si elle a déchiré les cieux pour s'enfoncer dans les ténèbres et l'espace, elle n'a malheureusement pas atteint sa destination. Non, à la place, elle s'est posée sur Mars.
quelle incroyable frustration. Je suis pas le plus grand génie du monde. Cette première défaite est amère. Voilà. Et du coup, maintenant, c'est un magasin, d'accord. Tu n'auras pas été vain, je suis disposé à vous vendre des matériaux que la fusée a rapportés de cette planète rouge et désolé. Ah, on peut acheter des masques. Avec la météorite, ok. On peut acheter ça. Future collaboration fructueuse me remplit d'aise. Ça sert à quoi d'avoir un masque d'extraterrestre déjà? Je crois que c'est juste du... Oh, attendez, vous savez quoi? J'ai envie d'aller acheter le masque. Donc voilà, il a construit... J'aime beaucoup le fait qu'il ait la fusée derrière, par contre. Donc il n'a pas réussi à aller sur la Lune, il a seulement réussi à aller sur Mars. C'est techniquement est plus compliqué, mais bon, c'est pas, on va pas chercher de la cohérence. Bon, ça fait un épisode plus long, mais c'est pas grave. On n'est pas pressé, on est là, on est bien. Minerai de fer, minerai d'or. Voilà. Voilà. What else? Qu'est-ce qu'ils vendent cher? Pièces robustes, non. Voilà. Hop. Voilà. Je vais juste acheter le masque. Donc voilà, du coup on ira faire la quête comme j'ai dit dans le parc d'attraction. Et puis bah on ira aussi bah du coup prochaine étape. C'est quoi? Prochaine étape. C'est bah le Goliath. C'est le Goliath. Avec bah, le fameux combat enfin le fameux combat avec le Goliath. Et du coup bah la rencontre à nouveau avec Adam et Ève dans la dans le souterrain. Donc ça vaut plutôt le coup. On va acheter du coup le masque. Voilà. On peut en acheter qu'un seul. Et du coup, je crois que si on se le met sur... on peut se le mettre sur la gueule, du coup, je crois. Objet, tous les objets. Masque extraterrestre, équipé. Voilà. Et du coup, on a un masque d'extraterrestre sur la gueule. Qui ne sert absolument à rien. Mais on va dire que ça faisait partie du 100%, donc je le prends. Il est beau quand même. Bon allez, du coup, on va s'arrêter pour cette vidéo, on aura fait quand même pas mal de contenu aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, c'est le cas, le pouce bleu, le partage et le commentaire, et dites-moi en commentaire du coup, à votre avis, qu'est-ce qu'on va avoir un peu comme autre information spécifique avec 9S. Et du coup, bah, on se retrouve la prochaine fois pour la suite de Nier Automata, et pour une nouvelle vidéo, c'est aujourd'hui, c'est tout le monde.